Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 411, j'espère que vous allez bien. Du coup on va se retrouver pour la petite suite de mon let's play sur Monster Hunter. Donc cette fois-ci je suis en plein live. D'ailleurs je crois avoir reçu un petit message, alors attendez deux secondes. J'essaie de recaler la caméra, voilà. Bon, partons à la recherche de ce chercheur. Il a forcément laissé une piste. D'accord, donc là faut que je cherche un chercheur. Ben c'est après que j'aurai trouvé le monstre, en fait, que tu pourras me retrouver du coup. Attends, c'est quoi ça? Elle vient de pousser un cri, mon perso, mais n'importe quoi. Alors, ta PlayStation a un ventilateur. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est abusé, le bruit qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Attends deux secondes! Qu'est-ce qui se passe avec les Navicioles? Heureusement, je suis en train de capturer le truc parce que sinon je pourrais pas l'enlever au montage, quoi, c'est abusé. Des grosses épines. Oh, un crapaud. Attends, je vais essayer de l'attraper. Ouais, j'ai attrapé un crapaud paralysant, excellent. Je suis comme un enfant, moi, dans ce jeu, je découvre des trucs. Ah, moi aussi, t'inquiète. Est-ce que je peux l'attraper ce truc-là? Non, je peux pas. Merde. Il est trop gros. En fait, c'est une réaction. On a vu une réaction de mon truc. La PlayStation. Ah. Il y a des traces, ça me suit partout. Et alors. Ah, ici. D'ailleurs, si sur le chat vous avez envie de venir, n'hésitez pas, il reste deux places d'ailleurs. Oui. Il reste encore deux places. Chercheur inconnu, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, le Luciol, elle est en train de me faire googliser. Est-ce que c'est le chercheur? À côté de quoi? Ah voilà, j'ai trouvé la bestiole là cette fois-ci. Un Barros? La quête du King. Ah d'accord. Il y a de la boue. Hop. Ok, cinématique. C'est lui qui a fait ça. On a dû racheter la paye spéciale. Je l'ai vu. C'était pas le Giratodus. C'est pas lui qui a tué le Barros. C'était... Qu'est-ce que c'est que ça? What? Il est en train de bouffer la bestiole. C'est quoi ce truc de ouf? Ok. Wow. Ok. Voilà, ça y est, tu vas pouvoir venir maintenant. Ouais. Accepté. Sois prudente. Ah, pardon, tu vas manger. Oula. Je vais lui claquer mon ulti dans la gueule, moi. Oh non. Tu es victime d'un fléau. Oh. La récupération de ton endurance va boire la tasse. Où sont putain de problèmes? Oh, 100 euros à Micromania, j'étais choqué. Quoi? Comment ça, 100 euros? Ah oui, d'accord.
Attends, viens là, espèce de sale bestiole. Ok. Reviens là, j'ai dit sale merde. Hop là, tu m'auras pas. Je suis là. Ah nickel. Moi je suis tout en bas de la piste là. La plaie spéciale ME est à 100 euros. Ça me paraît pas beaucoup ça la plaie. Hop là. C'est dégueulasse là, y'a que de la flotte ici. Oh, il fait mal. Allez, bois un petit coup ma cocotte. Voilà. Oh, oh. Tu m'auras pas vu en jeudi. Ah ah, tu joues un peu le même style que moi, je vois. Arbalète légère, non? Non? Oh, comment tu l'as eu ton skin? Attends, c'est quoi ça? C'est avec les différentes balles. Là, là c'est le skin de Alloy là, sur le robot là. Ah, tu l'as pas l'écho? Ouais, tu l'as eu comment celui-là? En faisant des événements, il faut. Sérieux? En faisant des événements. Ah, c'est un certain qui reste jusqu'au 8. Moi je veux celui de Capcom là, tu sais, avec le. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom là. En Megaman, tu sais, en Megaman, voilà. Oh là, il y a le Baroque maintenant qui arrive. On ferait bien d'en profiter. Ah ouais. On sait quoi, ils veulent faire les malins. Anti-blindage. Et boum. Oh, il lui met des coups, mon gars. Oh, heureusement, j'ai eu le temps de le coller. Ben, faut vraiment que j'améliore mon arme, parce que là, j'ai pas beaucoup de munitions, ça m'énerve. Casse-toi, toi! Oh oh! Oh oh! Ah. Il est retourné, il est retourné! J'en suis à l'autre là aussi. Ouais, il est en train d'essayer de monter sur le truc. C'est quoi, je vais faire éclater ça, là. Alors, Perchou, je joue l'arme... la plus dure, la plus complète du jeu... Sinon, c'est Volto H. Ça passe. Moi, je suis un PD qui fait à distance, c'est normal. Ah, il veut pas mourir. Hein. Ah ça y est, j'ai mon ulti. Parfait. C'est parti.
comme par hasard. Prends-toi ça dans ta gueule. Ah, c'est un barotte. Il est parti où l'enfoiré? Ouf! Heureusement, je me suis protégé là. Tiens, mange! Quelques perforantes. Hop. Moi la petite scarabée. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ok. Oh, attends, tiens, mange-toi ça dans ton crâne. Ah, il a pas envie de crever lui, hein? Non. Mais d'abord qu'il boite. Hein. Je crois qu'il est fatigué là, il se repose. Ah, maintenant il attaque les autres monstres. Hop, attends, il s'est barré où? Ah, il est là. Mange. Attends, il est en train de bouffer ou c'est moi là, c'est cette espèce d'enfoiré? Ouais. Il est en train de bouffer? Arrête de manger, c'est pas l'heure de manger, enfoiré. Il est plus vraiment protégé au niveau de son crâne. Mange tout ça. C'est marrant, dans la bêta, il était moins résistant que ça, tu vois. Ah là, il boite. Ouais. Il va sûrement retourner à son lit. Les carcasses de ce que j'ai vu. Là. Les carcasses sympathiques ici. S'il y a un objet de lui machin là. Ouais, j'essaie de voir, j'ai un connu, voilà. J'ai vu. Une larme de Wyvern. Tiens, on va le dépêcher celui-là aussi. Hop, tu sais quoi c'est. Ah d'accord. Voilà. Oh merde, ah non, oui. Oh putain, j'ai eu le temps d'esquiver, j'ai vu une grenouille sans faire exprès, j'ai tapé dessus. Ok, il est redescendu par là en fait. Ouais, il est parti dans son nid. Alors comment on fait pour s'accrocher? Ça je m'en rappelle même plus. Tu dois être rengainé puis déséquipé. Tu vises avec L2. T'appuies sur rond. Attends, je fais quoi, tu m'as dit? Tu rengaines ton arme. Ouais. Tu vises avec L2 et t'appuies sur rond, en visant le scarabée. Ah oui, excellent. Ah, terrible. Ben voilà, j'ai essayé de le faire dans la bêta, j'y arrivais pas. Bon, cette sale bête, elle doit être par là. Elle est là-bas. Ouais. Tu mets deux barils près d'elle. T'es quel niveau toi du coup? Ah, tu peux tirer. Et... j'ai attrapé un crabe, excellent. F.E.
absolument tout. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, arrête de faire le malin, toi. Non, c'était pas sa tête, ça. C'était son cul. Voilà, dégage. Oh yes, je me l'utilise. Merde. Ya, j'adore tellement ce ulti, mon gars. Oh, il a essayé de faire un backflip, il est mort. Jours et on est sur SAO entre les... Non mais mec, moins que ça, hein. Il sort le 21, je crois, non? Ouais, 23... je pense. Ah non, il sort le 23, donc 20 jours. À peine 20 jours, il sort. Bah, j'ai tellement hâte de l'avoir aussi, ce SAO, là. Il va être terrible. Il va être carrément terrible. Voilà, fais pas le malin. Maintenant on est parti pour le DPC. C'est quand tu veux, on perd 40 secondes. Hop. Ah c'est vrai que là, ça va être assez jouissif. Hein. Surtout la création du perso qui a l'air vachement poussée, j'ai vu. Ça va être complètement dingue. Ça, j'ai pas vraiment regardé. J'ai vu des images passer, mais... Ouais, non, c'est vrai que ça va être un peu du style... la création un peu de ce personnage aussi, Monster Hunter. Avec un peu plus de trucs, j'ai vu, quoi, ça va être sympa, quoi. Il est marrant sur son petit bateau, lui, j'adore. Ouais, mais ça fait nager. Ouais, mais je trouve ça trop drôle, mais en même temps, c'est des chats, c'est normal. Ouais. Et du coup, tu m'as dit que le tien, tu l'as eu comment? En faisant un truc spécial? En faisant un événement spécifique. Mais je sais pas si c'était assez haut pour le faire. Ouais, je pense pas, non. Alors, en espérant que Amazon ne refuse pas la livraison, car ils sont sur le sac. Non, non, s'ils sont en livraison, ils te font tout, t'inquiète pas. Hein. Faut pas avoir peur là-dessus. Hein. Si t'as commandé, ils te le donnent, hein, direct. Ah d'accord, je peux changer l'élément de mon kick... kick insect. Oh oh. C'est moi qui est partout, c'est génial quoi. Je vais regarder s'il reste encore sur... Est-ce qu'il reste encore sur... Micromania. On va voir ça tout de suite. Bien. Ouais, il aurait sans croche, Micromania. Nous allons pouvoir commencer. Ah. Grâce à vous, nous en savons bien plus sur les empreintes découvertes sur le continent. Nos chercheurs ont fait leurs calculs. Et nous savons désormais où se rend le Zora Magdaros. D'accord. Il se dirige vers le Grand Ravin. Le Grand Ravin? C'est la vallée qui s'étend au-delà du désert des termites? Exact. J'ai donc une proposition. J'aimerais que nous le capturions une fois là-bas. C'est de la folie! Le capturer? Ça risque d'être un peu bizarre de le... Écoutez-moi. Le ravin est idéal pour une embuscade. Une occasion pareille ne se représentera pas. Si on n'agit pas maintenant, il pourrait bien se passer 10 ans, si ce n'est plus, avant qu'on ait une autre chance. Ah oui, quand même. Mais c'est possible, au moins. Si je vous disais que non, cela changerait-il quelque chose?
Bah non. On peut tenter le coup. Pour l'équipement de Palikos, l'événement est le son des terres sauvages. D'accord. Alors, c'est décidé. Avant d'envoyer nos chasseurs sur le terrain, nous devons protéger Astera. Un Anjanas a été repéré près d'ici. Il est trop dangereux pour qu'on le laisse en liberté. Nous devons l'éliminer. D'accord. Très bien. Chasseurs, vous avez entendu ? Votre prochaine cible est l'Anjanas. Soyez prudents. Cette créature est redoutable. La moindre erreur peut être fatale. Vitez le Jonas. Je pense que j'ai une idée. J'aurai besoin de ton aide. Passe me voir plus tard, veux-tu ? Autre chose. À propos du rapport troublant que nous avons reçu. Tu pourrais... Bien sûr. Très bien. Alors mettons-nous au travail. Il est suspect derrière lui. Nous avons un dragon ancien à capturer. Excellent. Ce sera tout. On ferait peut-être mieux d'écouter ce que le chef botaniste a à nous dire, tu ne crois pas? Ok, il est où le chef botaniste? Ah, c'est lui. Salut toi. Wow. Pense à bien te préparer surtout. Ok, force pas trop, d'accord? Ouais, non, t'inquiète. Une cape, ok. Ça, je connais encore un petit peu, heureusement. Notre prochaine mission est de chasser le Tobi Katachi. On devrait pouvoir le trouver dans la forêt ancienne. Ah. Je croyais qu'il fallait buter un Anjanax, ça, je comprends pas trop. En tout cas, j'espère que cette petite rediffusion de live vous aura plu. On se retrouvera du coup dans la petite suite de mon let's play sur Monster Hunter. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.